Vous pouvez vous desserrer un petit peu quand même, hein. On a quand même de la place. Est terminé. Alors, j'ai un petit peu hésité parce que la texture, quand on voit la texture de poil, on a l'impression qu'elle est laineuse. En fait, elle ne l'est pas. Le poil vient bien à la base, bien soyeuse. Il y a juste les extrémités, les pointes qui sont encore à travailler. Là, il n'est pas bien mis en position, monsieur votre chien. Parce qu'il a un dos impeccable et là, ça ne se voit pas, voilà. Le deuxième était un chien qui me plaisait beaucoup aussi, mais il est à l'âge encore où le cul est un tout petit peu en l'air. Donc, ce qui a fait la différence, je trouve que la classe chiot était légèrement supérieure à cette classe bébé. Donc, c'est plus difficile quand on est dans les âges où les chiots sont en train de changer, ils ne sont ni des adultes ni autre chose. Donc... ils ne sont pas encore finis, mais ils ne sont plus des chiots. Ce n'est pas facile. J'aimais beaucoup la démarche, beaucoup l'allure du premier. Et c'est ce qui fait qu'il est à cette place-là. Il a une belle expression, les oreilles naturellement bien portées quand on l'appelle, comme d'ailleurs tous pratiquement ici. Ce qui prouve bien que ce n'est pas la peine d'attacher les oreilles pour avoir un bon port d'oreille. Voilà, je vous remercie. Bravo Sylvie. Oui, on peut les applaudir fort, hein. Ils le méritent. Hein. Gracias.